Ça nous a remué un tout petit peu. Et puis alors du coup, mon ami Steph, qui vient de faire le défi, a déstressé un petit peu et a respiré de l'oxygène. Il se remet de l'hélium, ça défonce un petit peu quand même. Hein. Mais non. Il se remet en question. Vraiment, je ne sais pas lire. En fait, on va juste vous expliquer un petit truc, c'est qu'on a fait plein d'essais juste avant l'émission et ça a dû monter un petit peu la tête. on a testé l'impression l'hélium. Que c'est ça en fait. Allez, nous sommes toujours dans cette spéciale Téléthon 2017 avec les numéros qu'on connaît tous. Maintenant, Steph, il va nous les rappeler quand même au passage vite fait. Voilà, le 36-37. Et le www.afm-téléthon.fr. Allez, direction dès maintenant avec, alors ce soir exceptionnellement, la première partie de l'horoscope de Lana. Mais alors juste avant, on va s'écouter quand même le jingle préparé par les enfants pour ce fameux Téléthon. Les élèves de l'école Parqueray à Vapon et la radio RC2 se mobilisent pour le Téléthon 2017 alors. Pour aider la recherche, soigner les malades, les aider dans leur quotidien, prenez votre téléphone pour soutenir la FM Téléthon. En composant le 36-37 et faites un don. Merci! Merci, merci. Allez, direction l'horoscope de Lana. L'horoscope de Lana. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Bah ça, hein, désormais, ce sera ton jingle toutes les semaines. Hein. Elle est toujours bien bonne. Mais je suis un laidron. Exactement. Je retiens cette information. Allez, on t'écoute pour les 6 premiers signes de cet horoscope. Les 6 signes. Bah, les 6 premiers. Oui, voilà, tout à fait. Oui, non, mais j'avais envie de dire 6 signes. Ah ouais, je le crois. Okay. Voilà. Bélier, son comportement ambigu vous agace. C'est oui ou c'est non, mais il faudra qu'il ou qu'elle se décide. Vous voulez savoir sur quel pied danser. Du coup, le début de semaine se fait sur la réserve, mais votre carburant est de retour dès mercredi. Vos proches vous encouragent à développer avec énergie un projet qui pourrait bien cartonner. Taureau, vous allez développer des sentiments très forts pour une personne, mais cet intérêt sera discret, car cette personne est pour vous inaccessible. Une activité physique fera disparaître vos douleurs à condition qu'elles soient douces. Oh, douleur. 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 Le droit. Dans votre vie, la situation financière est importante, mais faites place aussi à un épanouissement personnel afin d'être comblé dans tous les domaines. Gémeaux, rire, projet, câlin, vous êtes sur la même longueur d'onde et savourez ces instants précieux. Vos idées sont claires et votre morale est au top. Tout le monde envie votre énergie sereine. Du coup, vous décidez de changer de cap. Place à une reconversion professionnelle. Cancer, une rencontre vous fait battre le cœur, mais attention à ne pas vous emballer trop vite. Au travail, on vous met des bâtons dans les roues. Du coup, à cause d'un trop plein d'émotions, vous envoyez tout balader. Détendez-vous. Lion, signe de la semaine. Ah, c'est le mien. Anita, si vous m'entendez, écoutez bien. La sensualité s'empare des corps, le bonheur est dans ses bras et sous les draps. L'évolution attendue pourrait survenir cette semaine. Préparez le champagne. En tout cas, même en hiver, vous rayonnez comme le soleil à en éblouir vos proches. Vierge, votre partenaire est séduisant, peut-être un peu trop, mais pouvez-vous lui faire confiance ? Ça, c'est une autre histoire. Un nouveau contrat s'offre à vous, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vos finances. Et voilà, il suffisait de vous remettre au sport pour que votre corps et votre morale vous remercient. La suite, hein, après avoir composé le 36-37. Rappel. Voilà, j'ai fait les 6 signes. Oh bah c'est bien, parfait. Bravo, Lana, merci. Et elle en fait, voilà. Vraiment, on lui demande 6 signes, elle fait 6 signes. Ouais, voilà. Même pas eu le mien. Il y a même le petit lion, le non, mien. Non, mais je vais appeler le 36-37, c'est pour ça. Ouais, alors pour cette spéciale Téléthon, nous avons accueilli le tuteur de stage de Valentin, ici dans les studios de RC2. Et alors, ce jeune homme a un magasin d'informatique qui se situe au Ulm, et il voulait ajouter quelques mots quand même par rapport, en fait, au handicap et aux accessibilités pour nos amis handicapés.
On est en plein dans la thématique. Mon établissement, je tiens à le souligner, fait partie des établissements qui sont certifiés et qui sont accessibles aux handicapés, ce qui signifie donc que l'entrée est accessible notamment aux personnes qui sont en chaise roulante. Donc, et on est tout à fait en mesure de les accueillir. Et dans d'autres circonstances, on a déjà équipé des dyslexiques, des sourds-muets en informatique. On est capable de communiquer avec eux tout à fait normalement. Effectivement. Et alors moi, je connais quelqu'un qui est aveugle et qui se sert beaucoup d'informatique. Tout à fait. Il y a des logiciels qui permettent d'interpréter le braille. Exactement. Et au quotidien, en fait, elle peut naviguer exactement comme nous sur Internet. Absolument, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est grâce à la technologie. C'est une belle évolution, c'est ça. Exactement. Bravo. Alors, comme on vous le disait depuis le début de cette émission, dans cette spéciale Téléthon du Talk Show, nous avons le duo Exacoustique qui est avec nous ce soir pour nous jouer des morceaux tout au long de cette soirée. Et exceptionnellement ce soir, jusqu'à minuit. Et ce groupe est constitué de l'ami Xavier et d'Hélène. Alors, dites-nous, quel est le prochain morceau que vous allez nous jouer? Alors, le prochain morceau, c'est une artiste qui a fait juste... On va dire une chanson connue chez nous, c'est Alex Hepburn. Ah, j'adore. Under. Elle a quelques années, mais moi j'aime beaucoup. Ouais, donc on s'amusait à la refaire un petit peu à notre sauce. Et ben alors parfait. On vous écoute et on vous applaudit avant même que vous ayez commencé. Bravo, Jacques-Christ. Don't bury me, don't let me down, don't say it's over. 'Cause that will send me under, underneath the ground. Don't say those words. I wanna live, but your words can murder. Only you can send me under, under, under. I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying enough is gonna be okay. Yeah, yeah. I feel it in my heart, soul, man, that I'm losing you, me. You abusing every reason I've left to leave. Don't bury me, don't let me die. Just 21 grams of soul. All the safety ever around gone. But I'm still breathing. Through the thunder and the fire and the madness. Just to shut me down again. But I'm still breathing. I feel it in my veins, skin, bones. And I'm losing you, me. You're confusing every reason I've left to leave. Don't bury me, don't let me down. Don't say it's over, 'cause that was send me under, underneath the ground. Don't say those words, I wanna live, but your words can matter. Only you can send me under, under, under. Up and I get it down to you now. Chasing you, but you don't look back. Words I choose and I take it back. Reaching up and I get it down to you. Don't bury me, don't let me
un tonnerre d'applaudissements pour le duo Exacoustic, s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo. Allez, dans cette émission spéciale Téléthon du Talk Show, nous sommes exactement pour l'instant en promesse de don à 4 800 000 euros. Alors, c'est dans toute la France, hein. Faut le savoir quand même, les enfants. Ce n'est pas que l'équipe du Talk Show qui récolte ça, parce que sinon, effectivement, on pourrait faire la fête ce soir. Ça va le melon, ça va Bah, c'est ça, on pourrait voir une grosse tête et puis un gros melon quand même. Mais en tout cas, dans ces 4 800 000 euros, je sais que nous faisons... à hauteur de 1 euro au moins, peut-être. Un petit, mais nous sommes là avec vous. Allez, départ dans le prochain quart d'heure de cette émission avec Maroon 5 et What Lover Do.